Bonjour à tous. Alors ce matin, hop, on vérifie que le Minitex est connecté sur la tablette. On va faire une navigation parce que le vent va nous emmener dans le bon sens, à savoir. Nous sommes ici. Le vent souffle comme ça. Donc nous allons nous rendre dans cette zone-là. En fonction du vent, eh bien, je déciderai de la destination finale. Par ici, par là, normalement par ici. On y va. Voilà, c'est parti. Vous avez la totale. Eh ben écoute. Hein? Pas se plaindre, hein? Il y a une grosse masse nuageuse sur les Baléares en ce moment, qui vient de l'Espagne. On a 5-2. On va aller passer cette petite pointe là-bas. Ah, ça nous emmène bien, tranquillement, pas de vagues. Oh là là, c'est le top là. Bon bah ça c'est une super navigation. Cabrera à l'horizon. Dès que ça s'est passé en dessous, je peux prendre mon cap définitif. Voilà, là on a 17 nœuds de vent arrière. La vitesse du bateau sur l'eau est de 5-6. Voilà, le vent a un petit peu baissé, on est à 16 nœuds. 15-6, 15-5. Vous l'avez ici, ça c'est le true wind speed. Le vent réel. Ici, nous avons la profondeur en mètres. Ici, nous avons la vitesse sur le fond. Là, j'ai réglé mon pilote en mode vent, 154. Je lui ordonne de rester à 154 degrés du vent. Alors, maintenant que je suis ici, je vais lui enlever le mode vent, puisque j'ai un grand débattement possible. Je suis à 114 degrés du vent maintenant, le vent a tourné. Donc même si le vent adonne ou s'y refuse, ça ne changera plus grand chose. Je vais lui mettre un waypoint à atteindre. Oups. Ce waypoint va s'y situer à peu près par ici,
Allez, hop, on va lui dire d'aller là. Allez, curseur, allez, curseur. Activer track pilote, voilà. Ça y est, c'est bon. Et on va vérifier, out. On rentre pas dans la montagne. Ici. Sinon, il faudra corriger un peu. In, in, in. Non, ça passe. Maintenant, il va respecter scrupuleusement cette route-là, qui est du courant comme ça, du courant comme ça, du vent comme ça, du vent comme ça, ou du vent comme ça. Il y a presque 20 nœuds de vent. Hein. 19,4 là pour l'instant, on va passer un 4. Donc, en opportant, donc en fait, le vent reçu sur le bateau est de 15 nœuds. Donc j'ai le mât plein et tout seul. Alors oui, j'aurais pu mettre la grande voile. Sauf qu'au départ, si j'avais fait ça, j'avais le vent par rapport à ma route qui était au 165. Et là, si j'avais eu la grande voile, je n'aurais pas pu mettre mon génois. Maintenant, avec le vent que j'ai, je pourrais avoir grande voile et génois. Mais le bateau, il marche très bien. Il marche à 6 nœuds actuellement. Donc, la surface de mon génois est plus importante que la surface de ma grande voile. Donc, si le vent avait changé pour venir presque 180, 170, c'est sûr que je marchais mieux avec mon génois. Et à mettre en place, le génois est une voile plus simple puisque vous avez juste à tirer sur les coudes du côté où vous voulez la sortir, libérer la bosse et puis voilà. Pour le rentrer, ben, il n'y a plus qu'à retirer sur la bosse, terminé. La grande voile, ben, faut ouvrir le sac lazy bag, il faut être face au vent. Et voilà quoi, donc au niveau des manipulations, le génois est plus simple à mettre en œuvre que la grande voile. Et j'aurais pas eu un meilleur résultat. Alors, je vous présente le cap blanc. Alors, il n'a rien de blanc en ce qui concerne la roche. Peut-être parce que souvent la mer ici blanchit, peut-être. Enfin bon, il se nomme le cap blanc. Et nous le passons à 6,5 nœuds. Petit à petit, on voit les falaises qui se découvrent derrière. Et on voit bien les strates dans la roche. Il y a du vent. Hein. Un petit drapeau, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un. Mais il n'y en a pas trop ici, ça va. Et après, nous allons découvrir la baie de Palma. Bon, si on se faisait un petit caf ce matin. Là, on va pas tarder à aborder. La baie de Palma, ça navigue. Alors Minette, ah bah dès que je fais chauffer quelque chose, toi, bah oui, mais non, ah bah oui, à quelle heure il est là? Ah bah oui, midi et demi. C'est l'estomac qui parle, ma chérie. Bah oui, c'est quoi là? Hein? Bah oui, c'est là, c'est la boîte croquette. Hein? Bah oui, ma chérie. Ouh, des bonnes croquettes. Ah, elle est au régime, hein? Bah dis donc. Allez, on mange? Ouais, ma minette. T'es bon ça, hein? Allez, hop, petit café.
vôtre. Bon, on a une petite converse devant. Ici, nous avons la baie de Palma. Ici, nous avons une cellule orageuse. On a 15-16 nœuds de vent actuellement. Et le cap blanc qu'on a passé, en même temps, il est au fond là-bas, au fond, au fond. Bon, bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et le génois uniquement, le vent vient d'ici. D'ailleurs, je l'ai pratiquement dans mon 180. D'ailleurs, j'ai été obligé de... Ouais, je l'ai dans le 180. Donc là, si j'avais la grande voile, je serais embêté. Enfin, je serais pas embêté, parce que j'aurais que la grande voile, j'aurais pas le génois. Mais comme la grande voile est en superficie moins grande que mon génois, j'aurais moins de puissance. Bon, bah, le soleil a fait quelques petites apparitions timides. Ah là là, je suis limite là, oula, je fasse quelque chose. On a un petit grain là. Ah la vache. C'est pas ça. Surveille. Voilà. La vitesse. Le vent a tourné, j'ai vite fait d'empanner. Je viens de me prendre 35 nœuds là, pendant 20 minutes. Je l'ai pas vu arriver. C'est venu, mais d'un coup. Et la mer était même pas blanche, rien du tout. Hein. Alors là, je vous dis pas. Hein. Pour l'instant, j'ai plus que 23 nœuds. Et ça va mieux. Ça commence, si possible, à pas être facile. Là, on est encore à 7,5 quand même. Hein. Bon, ça nous emmène à notre destination. Hein. Attends que ça se calme un peu là. De toute façon, le pilote, tout à l'heure, je pouvais rien faire. Tout seul, je pouvais rien faire. Seulement maintenant, je peux calmer le jeu. Ah, ça m'a fait faire une belle balade. Allez, 35 nœuds, là, je me suis pris. Bon, voilà ce que ça donne. À partir d'ici, je me les suis pris. Il n'y a pas de vent, là. Tout d'un coup, faut se méfier quand il n'y a pas de vent quand même. Hein. Et bah voilà, tout ça là, c'est. J'ai abattu. J'ai essayé de rentrer un riz, mais pop. Le pilote ne tenait pas.
Voilà, enfin, sortie d'affaires. Ça souffle encore, hein. Là, on a encore... Bon, 16 nœuds, ça va. Bon, oui, je viens de me prendre une fessée. A priori, pas d'orage. Le cap, maintenant, il est calme plat. J'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Il devait y avoir quand même une cellule dans cette masse nuageuse, une cellule fortement thermique dans cet amas nuageux que j'avais là-bas. C'était pas spécialement noir. Enfin bon, bref, j'ai vu tout de suite monter le vent, donc tout de suite j'ai retendu mon génois. Et après il a changé carrément de 60 degrés le vent tout d'un coup, et là il est parti en furie à 25, 27, 28, 30 et au pic à 35. Lui, j'ai essayé de rentrer un riz, mais il y avait des vagues et le vent changeait constamment, le pilote n'arrivait pas à suivre, je suis tout seul. À deux c'était pas un problème, il y en avait un qui gardait bien le génois effacé et ça permettait de rentrer un riz. Mais là j'avais besoin de quatre mains et j'en avais que deux, donc une fessée. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait bien mon travail. J'aurais dû peut-être prévoir, je sais pas, je me suis fait surprendre, c'est clair. J'ai pas vu arriver, et si j'avais bien fait mon travail, si je l'avais vu arriver, si j'avais pu le voir arriver, eh bien j'aurais rentré mon riz en priorité, bien sûr. Et après, si ça suffisait pas, j'abattais. Mais waouh, là, tenir le bateau, parce que le pilote, vu les changements de vent qu'il y avait, et encore là, vous avez vu quand je suis à la barre, là, on était retombé quand même à 25 nœuds. Avec les vagues qui tapent d'un côté, le vent qui t'emmène de l'autre côté, enfin bon bref, voilà quoi. Donc j'ai eu ma petite fessée parce que j'ai pas bien rentré mon génois quand il l'aurait fallu. Il n'y a rien eu de cassé, il y a juste une petite montée d'adrénaline dans ces cas-là, parce qu'on dit oh punaise, le génois il n'est pas fait pour prendre 35 nœuds comme ça quoi. Plein pot. Que ça serve de leçon. La pointe qu'on doit tourner. Alors je viens de regarder, on a pris quand même en vent arrière, sans être sur des surfs, 9,8 nœuds. Bon bah ça me plaît bien. On verra après. Hein. L'anche est extrêmement construit. Beaucoup de villas. Mais il y a des choses moins jolies aussi. Voilà, donc Antecum vient de poser l'ancre à la Cala de Santa Ponza pour venir de la Rapita où nous sommes partis ce matin. Nous avons mis 5h54 pour avoir parcouru 30 000 nautiques précisément. Comme vous l'avez vu, eh bien, écoutez, c'est une navigation qui était à la fois sympa et à la fois intensive. Le coin a l'air super sympa. Il ne reste plus qu'à savoir où est-ce que je peux poser Cathy Mini pour pouvoir aller à terre sereinement et pouvoir l'attacher. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette navigation. Alors, je sais qu'il y a des fans de Yoko qui n'hésitent pas à me demander régulièrement des nouvelles de Yoko.
Donc Yoko va très bien. Elle vous fait un petit salut à tous ses fans, à Minette. Hein ? Donc, en fait, on débarque ici, le ponton, il est là. On était comme. Allez, on y va. Alors, j'ai déjà fait un petit tour hier au soir, à pied. Mais là, on va essayer de se projeter un peu plus loin. Bon voilà, on a fait une petite visite du coin, vous avez vu les photos sur la marina. Elle est vraiment top la marina. La baie est super, super. L'accroche ici se fait bien. Bon, hier j'ai vu deux bateaux peiner à s'accrocher sur le sable, je comprends pas. Je sais pas comment. Peut-être qu'il y a des endroits où il y a un petit peu moins de sable et puis un peu plus de roche, je sais pas. Enfin, moi je suis très bien accroché. J'ai 25 mètres de chaîne devant le bateau. Et. Je suis sur 3 mètres 50 de profondeur. Voilà. Quoi d'autre mis à part les barres de HLM hôtel qui sont pas terribles. Historiquement, la ville n'a pas grand chose à donner. Après, bon, bah, voilà, c'est exclusivement touristique.